Au sein de la Polynésie française, les atolls des Tuamotu forment un archipel à part. Ce chapelet de 77 atolls s'égrène sur 1500 km du nord au sud et 500 km de l'est à l'ouest. La compagnie aérienne locale, Air Tahiti, permet d'accéder à ces fantastiques paysages de moutus isolés dans des lagons de jade et d'émeraude. Seuls quelques atolls sont peuplés et les habitants des Tuamotu, les Paumotu, vivent une petite vie paisible dans les villages en bord de quai. Sur ces moutus dénudés de relief, entourés par les lagons et l'océan, les activités possibles sont invariablement orientées autour des joies qu'offre la mer. Petits et grands en profitent pleinement, notamment lors de grandes journées de pêche, activité principale des Paumotu. Les variétés de poissons sont nombreuses et certaines pêches sont parfois plutôt surprenantes. Une des pêches très prisées par les Paumotu est la pêche au varou. Dangereux à attraper, ce crustacé a une chair particulièrement délicieuse. La pêche du matin, quelques morceaux de bois et de la farine mélangés à l'eau salée. Très vite, un petit moutou désert devient le bivouac des pêcheurs qui prennent toujours beaucoup de plaisir à savourer dans le calme d'une nature sauvage, poissons et crustacés, sous l'œil attentif de la faune locale. Si les Tuamotu permettent lors de nombreuses excursions de devenir le Robinson Crusoé d'un jour, il existe de confortables hôtels de haut niveau qui offrent une détente bien méritée. Sur les atolls plus isolés, le visiteur dormira dans de charmantes petites pensions de famille et rejoindra, pour les plus courageux en pirogue ou pour les autres en bateau à moteur, le village le plus proche pour assister à la messe du dimanche. Convertis au XVIIIe siècle au christianisme par les missionnaires européens, les Paumotu sont aujourd'hui très pratiquants et la messe est toujours un grand moment de communion et de sérénité. Tandis que certains profitent d'un repos tranquille, d'autres, vaillants, rejoignent les cocoteraies et rassemblent les noix de coco tombées à terre pour en extraire les copeaux. Ils obtiennent ainsi le copra, résidu sec de la matière blanche de la noix de coco. Grâce à son pana, le copraculteur effectue un bref et énergique mouvement du poignet pour séparer l'amande de la coque. Les copeaux récoltés seront alors séchés, puis envoyés vers Tahiti afin d'en extraire leur huile. Mais le copra est une ressource secondaire des Tuamotu. En effet, la perliculture est incontestablement le noyau économique des Tuamotu. De très nombreuses fermes perlières peuplent les lagons des atolls et donnent naissance aux célèbres perles de Tahiti. Les étapes avant même d'obtenir ces perles sont nombreuses. Il va falloir collecter les jeunes huîtres, puis les attacher à des lignes d'élevage afin d'attendre leur maturité. Les huîtres seront alors greffées par le dépôt d'un greffon dans l'organe reproducteur, suivi de l'introduction d'un nucléus, bille parfaitement sphérique de 6 mm environ. Dès lors, les cellules du greffon se développent autour du nucléus pour former le sac perlier qui, une fois fermé, sécrétera la matière nacrière. Les huîtres ainsi greffées sont placées dans des petits paniers métalliques pour éviter qu'elles soient mangées par les balistes, puis réimmergées dans le lagon. Chaque opération est très délicate et le retour à la mer qui permettra aux nacres d'enfanter les perles est toujours vécu sous l'œil du hasard ou de la providence. Mais les fonds sous-marins réservent bien d'autres joies pour ceux qui les explorent. De simples masques et tubas permettent d'admirer la faune des petits poissons ou des majestueuses raies qui sillonnent le lagon. La plongée sous-marine est l'activité touristique la plus pratiquée au Tuamotu. Il existe de très nombreux centres de plongée qui permettent à chacun d'explorer en toute sécurité une faune aquatique qui ne cesse d'émerveiller. Batau tayo tamo tamo ni tata ma hoy dine tatawa.